L'avion a atterri là. Mon matériel est dans le conteneur. Il faut que je coupe les sangles. J'ai besoin de quelque chose pour couper ça. Ah bah oui. C'est malin, puis. Il y a plein d'animaux. Oh. Yahoo. Que j'ai loupé un truc. Et ben non, ça faisait un point blanc comme dans. Je sais plus quel jeu je joue pour l'instant. Je peux pas ouvrir ça à maman. Putain. Il casse les couilles. On va prendre un bout d'aile, ça te ferait une belle machette. Un délice, pas d'aile. Et tu t'es ouvert le bras. C'est pas vrai. Encore ces cochons t'es. Elle va l'empaler sur le truc. Elle va empaler le truc sur la murène. C'est une murène, ça. Yes, I want a campfire. Elle va de nouveau pas pouvoir sortir là. Si là, elle veut bien. Tantôt, c'était vraiment juste pour m'emmerder. Ouais, je me suis perdu. Encore des trucs d'indigo. Non. La canopée, pour moi, la canopée, c'est beaucoup plus haut. Un sexto. Au début du 19e siècle, cet instrument était utilisé en navigation pour mesurer l'angle entre un corps céleste et l'horizon. Il y a une inscription gravée ici. À mon fils Jack, puisses-tu ne jamais perdre l'horizon de vue. Oui, oui, oui. Ah, et ça, du coup, c'est un trésor. Non. Ça va, tu t'es pas fait mal là. À d'autres. Des dragons d'un géant. Des rats musqués, c'est possible? Non, c'est pas des rats. Okay.
assez émoussé. Je dois trouver un moyen de l'aiguiser. Ouais, tu casses tes... Ici. Ah, ici. C'est là sur le bord. C'est au-dessus. Rien à voir. Rien à voir. Eh bien, récupérer que un. Un. Oh. On va chercher un truc qui est... juste derrière le feu de camp. C'est pile ce que je cherchais. Il m'en faut juste un peu plus. Pas du tout ça, la relique. Non, elle peut pas être là. Elle doit vraiment être là. Moi, j'ai déjà trouvé un ch'trocon, en fait, le truc qu'il y avait là. Bon bah, tout droit. Jusqu'à l'aiguisage de couteau. Je sais même pas ce que je cherche. Ouais. Oh putain. C'est ça qui me montre comme l'objectif. Ouais, ouais. Du coup, je suis encore plus paumé. Tu veux pas? J'ai tout ce qu'il me faut. Je devrais retourner au campement. Ah oui, c'est didacticiel de... crafting. Ouais. Ah mais j'ai pas le piolet peut-être. C'est pas par là. Look at the knife.
déjà tout ça. Excellent. Ah, oh. PlayStation 2. Ouais, carrément, excellent. Mais voilà. Il n'y a rien à faire. Toujours pas plus de... Ah non. Compétences de leur voix. Ah, c'est l'extension. Ok. Bon, maintenant on a le couteau. Oui, il est beau. Ça devrait être assez coupant. Le conteneur est encore retenu par un truc. Oui. On sait. Et maintenant je peux t'ouvrir. Génial. Je peux récupérer mon équipement. Et lui, il est pas tombé dans l'eau. Pourquoi j'ai pas tout rangé au même endroit ? Miss Croft ? Quelqu'un me reçoit ? Allô ? Miguel, où tu es ? Ah, j'ai eu de la chance. Juste au moment où... Ah, c'est tout ce que tu... Ok... Ça, je suis sûr qu'on peut les faire tomber. Mais non, pas ça. Ça. Ah. C'est des nids, mais c'est pas bien de faire ça. Heureusement, on ne doit pas tout crafter. Évidemment, c'est là que je dois aller. Donc, on va aller à l'opposé dans mon dos jusqu'au bout. XP pour un aval. Et ouais, mais non, mais ça en fait deux que je bute et deux que je peux pas avoir. Casse les couilles. Ah, il y a un truc qui brille, hein, au-dessus à gauche. Tout à fait sûr que je devais y arriver par là, mais il y avait un truc qui brille. Quasi autant que tu as un oiseau. Ah, oh. Des volets.
Francisco appartient à Hernando Pizarro, représentant de la couronne d'Espagne. Diego de Almagra a été capturé, Rodrigo Orgonés est mort, et le reste de leurs armées d'hérétiques ont été mises en déroute. Nous avons traversé les montagnes jusqu'à la côte, non loin de Cusco. Orgonés est venu à notre rencontre à Cachupampa, un piètre choix pour sa cavalerie. Ses fauconneaux ont dispersé la charge d'infanterie de Gonzalo, mais le terrain marécageux ne permet pas à ses cavaliers, pourtant aguerris, de prendre le contrôle de la situation. Nos arquebusiers impériaux passèrent la rivière et déchaînèrent l'enfer sur les rangs adverses. Pizarro et Orgonés menaient leurs cavaleries respectives, chacune musant comme un seul corps, tous les hommes hurlant, les chevaux au grand galop. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. Quelque part au plus fort de la bataille, Orgonés fut désarçonné par un tir et succomba. On raconte que ce poutre d'Almagro bâtit en retraite à Dodane, ce qui ne m'étonne guère de lui. Extrait du journal d'Alonso Ruiz. Voilà pour un petit peu d'histoire. Moi j'aime l'histoire. J'ai une bite en histoire, mais j'aime bien l'histoire. C'est carré oui. Attention. T'en ouvre qu'une des deux, comme de par hasard. On n'y voit rien. Je me demande bien où ça mène. Hors carte. Hors carte et sans carte. Petite histoire. Ce matin, nous avons pénétré un territoire vierge, laissant derrière nous les eaux blanchies au soleil du campement du cheval mort. Le sort semble tourner pour Raleigh, presque littéralement. Sa jambe blessée le ralentit, et c'est à présent lui qui est à la traîne. Quand Père s'en aperçoit, il ralentit et se retourne vers nous avec un sourire d'encouragement. Il paraît calme, mais son pas impatient le trahit lorsqu'il nous prend de vitesse à chaque tournant, chaque crête et chaque cours d'eau. C'est qui, Jack ? Avoir l'honneur de tracer le chemin qui relie cette vie à la suivante pour que nous puissions tous l'emprunter sans encombre. On a un peu fait peur, ça le prix. Il faut que je sois un feu de camp.
Faire sortir un feu de camp. Faut que je trouve un moyen de monter. Attends là. Donc j'ai bien fait de venir. Le feu de camp est juste là, on va aller mettre une nouvelle botte. C'est jaune, faut escalader. Ouais, donc crypte est ton camp. Crypte et tombeau sont donc bel et bien bien séparés. Il y a deux cryptes et deux tombeaux ici. Ok. Ah bah oui, évidemment. Je n'ai pas du tout assez. Ah.
Ok. Est-ce que j'ai un point de compétence pour avoir fait la crypte? Pas du tout. Où doit-on aller? Ben, on doit traverser le ravin. Oh, putain, la petite grenouille, il est. Et ça, si j'avais cette putain de compétence, je pourrais ramasser des substances toxiques, je suis sûr. Un caribati? Non, c'est pas un caribati. Un étang quand même derrière. Miguel? Miguel? Du monde possède sa propre créature mythologique sylvestre et bipède. Par ici, on l'appelle le Sissimite, le gardien de la forêt. Décrit comme un grand singe, on dit qu'il tue les hommes, mais qu'il enlève les femmes et les emmène dans sa grotte pour se reproduire avec elles. Donc il ne doit pas y en avoir qu'un. Si on suit la logique. La piste. Miguel ? C'est le Sissimite. Oh. Fais-lui le feu, Lara, le feu. Pour le perdre maintenant, ça va bien à peine de casser les couilles. Territoire des jaguars, ça sent bon cette histoire. Faut que je sois très prudente. Je suis. Et là, pouf, plus de territoire des jaguars. Ah si. C'est bien ça.
paniquer, puis. Il est là. Qu'est-ce qui se passe? Pas être vivant. Alien. Avait fait une grosse lèche au moins. Ah, lui, je pourrais pas le dépecer. Je suis un petit peu déçu. Tu as tué le roi des jaguars, tu es la reine des jaguars. Non mais je vais pas le faire maintenant alors qu'elle va régénérer toute seule. Voilà. Régène toute seule, elle a quand même l'air bien blessée. Et je crois qu'ils vont pas me lâcher tant que je le fais pas. Alors, t'es contente? Oui, du tissu. Il en faut 6. Plus que 2. Je peux faire mes bottes. C'est sûr que cette zone-ci, il fallait la faire ma creuse, parce que vu que c'est la zone didacticielle du soin, il devait y avoir plein de plantes médicinales partout. Bon, maintenant, c'est fait. Trouver Jonah ou Miguel? Un bout de l'avion. Jonah! Des plantes à sablier. Rien dans cette flotte. Hein? Je vois des trucs. Hein. Il n'existe pas. 6 juin. L'enthousiasme communicatif de père est au plus haut, mais je suis assaillie de doutes. Au milieu de la nuit, je l'ai surpris à fixer les étoiles, le regard d'un blanc lunaire. S'il ne m'avait pas si souvent raconté toutes ces histoires sur l'Amazonie, je pourrais croire qu'il y avait de la tristesse dans ses yeux, peut-être même du regret. Ce doit être ces insectes qui nous montent à la tête. Avec celle 3, j'ai pas le 1. Enfin, j'ai le 3 et j'ai le 2.
cocktail Molotov alors qu'on peut faire des bottes. Bon, ok, faut que je débloque la capacité des toxines, parce qu'il y a des grenouilles bleues partout. Pas du tout vu ce qui était marqué. Toutes les cages de survie, c'est ça? Non, peut-être pas toutes. Bon. Allons jusqu'au bout du bout du bout chercher la cage de survie qui est là au bout. Du bout du bout. Mais non. Cage de survie, elle brille. Ouais, ça va, ça va, ça va, j'ai compris. Corps de Cosette. Ce soir, nous ne trouvons pas le sommeil. La jungle gronde et la lune ne nous aide pas. J'entends la forêt respirer dans mon cou. Son grognement qui fait vibrer la terre. Son énergie indomptable circuler dans les arbres au-dessus de nous. L'imagination est fertile dans une obscurité si épaisse. La fatigue guide nos recherches, s'abattant toujours sur nous au moment le moins opportun. J'ai surpris Père à s'assoupir en marchant, sa main lâchant son bâton. Nous n'avons plus de vivres, nous ne nous nourrissons presque plus que de baies et d'eau de pluie. Mais pour l'instant, aucun de nous deux n'abandonne. Je crains que l'obstination qui nous a menés jusqu'ici ne nous conduise droit à notre perte. Dommage. À mon avis, Monsieur Fossette cherche la même chose que nous. De l'armoise, mais ça pousse pas dans le coin. Je vais regarder. Oh ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Faire sortir le verre. Ça va empirer. Et c'est toi.
sûr de savoir ce que tu fais, là? En fait, j'ai eu un peu la même chose il y a longtemps, quand j'étais gamine en Égypte. Je vais pas te mentir, ça va faire mal. Tu crois que cette tempête, c'était... la tempête? Celle de la fresque? Je sais pas. Je crois qu'on devrait... s'arrêter, faire le point. On a foncé tête baissée. Et puis, avec la tempête... J'aurais jamais cru que ça empirerait autant, je... Ouais, j'aurais dû insister pour qu'on cule. Mais je comprends. Tu bloques sur un problème et tout le reste disparaît. Jonah. Hé. Je suis là. Et c'est mon choix. Le plus souvent. Mais si on meurt, qui arrêtera les cataclysmes? Qui empêchera les Trinitaires d'agir? Parfois, je sens que je suis obligée de continuer parce que sinon les gens croiront que je les abandonne. Mais peut-être que pour quelques heures, on aurait pu attendre. On devrait lui donner un nom. Ok. Ellie ? Ah, c'est mon cousin. Il avait une sale tête d'asticot. Adieu, Ellie. Merci. On devrait y aller. Si on arrive à trouver Kuwakiaku, on pourra se reposer cette nuit. Bonne idée. Si quelqu'un sait comment s'appelle ce parasite, ça m'intéresse. Je suis contente que tu sois resté près de l'épave. Si t'étais là, je voulais que tu puisses me trouver. J'avais le pistolet de détresse. Oui, je crois que Miguel se dirigeait par là quand... Et comment tu t'es débrouillé pour avoir Ellie sous la peau? J'essayais de savoir si l'eau était propre. Moi, vraiment, ces trucs que tu t'en racontais sur les cataclysmes, l'apocalypse... Je crois que si c'est vrai, c'est assez important pour se sacrifier ou pousser les Trinitaires au meurtre. Donc c'est une question de vengeance? Non. Quand j'ai pris la clé, j'ai aussi senti une force qui m'attirait vers quelque chose. C'est bien réel. Si t'as senti une force qui t'attirait quand t'as pris la clé, elle est dans ta tête, maintenant? Non. Elle est partie quand Dominguez a pris la clé. Si c'est aussi fort que ça, comment tu peux être sûr? Écoute, essayons de trouver Kuwakiaku, ok? Ouais. Tu sais, si c'était une question de vengeance, je comprendrais. Tu crois vraiment? Tu préférais pas être dans un endroit chaud et sec avec une bière et peut-être une jolie demoiselle à courtiser? Ouais, c'est vrai. C'est même carrément vrai. Mais je comprends bien, je t'assure. C'est pas une vengeance. C'était 8, pas 6. Oula. C'est... Toi t'as pris une quoi? Oui, j'ai un PC, mais... Il m'en faut deux. En fait. Sur les toxines, c'est pas sur les grenouilles. Alors c'est pas intéressant. Donc on va pouvoir avoir quand même l'instant base de la chose chouette après l'avoir payé sur quelques niveaux. Bon. J'allais dire un truc qui brille là-haut. Bon. Oh pardon. Peut-être un trophée, mais je crois que je vais en chier. Ah mais non, pas du tout. Thank you.
Voilà, t'as bien fait, t'as gagné une plante. Ouais, c'était peut-être pas nécessaire. Fais un petit singe comme tu l'as fait. Hop, tata. Ah, là, il y a une caisse. Faire des améliorations là. Un de ces quatre et on n'en prend les plus, hein. Ça doit être Wakiaku. Essayons de descendre pour savoir ce qui se cache dans le temple. Descendre comme dans tout. Non. Tu es sûr que c'est le chemin? Allez, reste près de moi. C'est tout sauf un bon chemin. Ça, c'est bien vrai. Oh. Oh. On y est presque. On y est presque. J'ai déjà entendu ça. Oh. Non, je te tiens. Ça va aller? Ça va. Plus que quelques pas. Ok. Ok. Il va tomber. Tout va bien? Ça va, je gère. Oh. Il a failli tomber. Bêtement, en plus. Peut-être bien les Incas. Ils maîtrisaient les lois de l'hydraulique. J'espère que cette soupe de pont est abaissée. On pourrait peut-être leur montrer avec ces contre quoi. Peut-être. Cela représente le dieu Inca Khon, fils d'Inti, le dieu soleil, et de Pachamama, la déesse de la lune. Khon régnait sur les vents et la pluie, même si certaines légendes font de lui le dieu des phénomènes climatiques venus du sud, alors que son frère Pachacamac régnait sur le vent et la pluie venue du nord. Tu veux essayer? Je crois que je vais plutôt me contenter des bouteilles d'eau. Quelque chose dans lequel je deviens bon, hein. C'est pas du tout pas de chacunac. Ouais. T'aimais pas ça? Bah, vu la situation de ma famille, on faisait pas beaucoup d'activités comme ça. Ça décrit quelque chose de proche. Deux serpents gardent la vie et la mort. Je suis pris au piège dans leur lutte éternelle. Et toi, t'as jamais été chez les scouts ou t'as des camps de vacances? Être en
pension, ça compte? C'est quoi la légende? Je sais pas, d'après toi. Sans doute que non. Mais Ross m'a appris les bases. J'ai toujours préféré la compagnie des adultes, de toute façon. Ouais. Il me manque. Moi aussi. Allons en dessous. Sans Ellie, ton bras devrait guérir rapidement. Bon. Du coup, on va essayer de résoudre cette énigme. C'est trop lourd. Donne-moi un coup de main. Te dépêche pas, hein. Rien. Ok. On va relâcher. Non. Ce canopa est un réceptacle à offrande, comme du cacao ou du suif. Le canopa rempli était jeté dans un champ au début de la saison des récoltes en honneur de Pachamama, la déesse mère. On pensait que si elle acceptait l'offrande, le paysan aurait de meilleures récoltes et une meilleure saison de reproduction. C'est sûrement un oiseau. Voyons à quoi sert cette fois. Wouah! Si vraiment il y a des trucs comme ça qui ont été inventés, c'est complètement. Mais quoi, deux fois? Non, on peut rester. Le temps que je pense là. On pourrait donner un coup, hein. Je dois lâcher, désolé. Dépêche-toi. Je n'ai pas de temps encore. Ok. Je pense que je l'ai. Moi j'aimerais bien relier les deux. Comment?
Ok, maintenant je sais comment je les accroche ensemble. C'est bon, Jonah, j'ai trouvé. Oula. Un peu grignoté, mais il fait pas de bruit, donc ça va. Après toi. C'est quoi? On dirait une sorte d'hôtel ou bien. Aide-moi, s'il te plaît. Ok. Une recette pour faire de la bière. À un mélange d'herbes pour mieux se concentrer. De la bœuf. Ça pourrait être utile si on croise d'autres jaguars. J'espère que non. La sortie est par ici. On se rapproche, on arrive près du village. J'ai hâte de retrouver la civilisation. Non, mais bon, la cité d'or secrète est censée se trouver au Pérou. Paititi. Tout. Chasseur de trésors du monde, on a envie de la trouver. Mais ses notes s'arrêtent au Mexique. Comme s'il avait changé d'avis ou. Je sais pas, dans le carnet d'après, on passe en Syrie.
Bien, je m'en refais un tombeau. Je crois qu'on peut partir par là. Jonah, donne-moi un coup de main. Ouais. À 3, 2, 1. Oh bah ouais. Saloperie. Achève-le au moins. Réponds-lui quand même. Ça va aller. Je veux bien que tu m'aides. C'est pour ça que je pouvais pas le dépecer. Je vais préparer le campement. Laisse-moi jeter un coup d'œil. C'est pas joli. Tu
sais, avec tout ce qu'on traverse en ce moment, je pense à mon frère. J'ai toujours essayé de le protéger. De mon père. De lui-même. Mais je l'ai perdu. T'as fait ce que t'as pu. Si j'avais été au bon endroit, au bon moment, il serait encore là. Si j'avais eu tes yeux derrière la tête. Tu peux pas protéger tout le monde. Merci. Mes parents, ils me manquent tellement. J'ai rêvé de ma mère il n'y a pas longtemps. Ah oui. C'était tellement réaliste. Quand j'étais petite, mon père n'arrêtait pas de me cacher des choses. Des secrets. Sur elle, notamment. Pourquoi il faisait ça ? Après la mort de ma mère, il a cherché à m'épargner. Ça m'a jamais empêché d'être curieuse, bien sûr. J'ai encore tellement de questions. Ton père a créé autant de mystères qu'il en a résolu. Dominguez a dit qu'il voulait utiliser la boîte d'argent de Guichel pour refaire le monde. Si toi, tu avais ce pouvoir, tu en ferais quoi ? Je paniquerais déjà. Tu reviendrais pas à l'époque où ton frère était vivant pour le retrouver ? Et perdre tout le reste ? Non, non. J'aime bien ce monde. C'est... Il n'est pas parfait. Mais tout ce à quoi je tiens, maintenant, s'y trouve. Pour prétendre au trésor, l'aventurière Lara Croft doit triompher du roi, atteindre la tombe interdite et résoudre le mystère de la Reine Blanche. Mais la route sera semée d'embûches. L'aventurière ne doit pas traîner une seconde. J'ai presque fini! Les murailles du château l'appellent. Tentatrice. Pas de carte. T'as plein de jeux dans le jardin quand t'es gamin comme ça. Tu peux t'en inventer déjà des histoires. Il y a quelque chose là-haut, dans le nid du corbeau. C'est juste la caméra qui tourne. Hein. Il y a des tyroliers là. J'ai beaucoup réfléchi à tout cela.
et je reste convaincue que nous devons épargner cette terrible douleur à Lara. Qu'elle pense constamment à sa mère ne sera que plus pénible pour elle. Il vaut mieux pour elle qu'elle vive son enfance avec insouciance, sans être tourmentée par des pensées si sombres. Je vous prierai par ailleurs de renoncer à votre croisade, car je n'aurai aucun scrupule à vous renvoyer du manoir Croft. Elle peut être renvoyée vu qu'on pouvait l'enfermer dans le frigo. Lara s'envole au-dessus d'un lac de lave en fusion. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un trou. Les sols se dérobent. Lara plonge dans les ténèbres. Les portes du château sont bien gardées. C'est pour ça que notre héroïne évite la porte d'entrée. Elle est où sa carte avec le plan ? Elle avait tout un plan. Elle est montée à la salle du château, le sol s'est dérobé, je sais plus. And then. Que disait Père déjà ? Les œillets sont apparus là où les larmes de la Vierge Marie sont tombées. Des tombes récentes. Le roi n'est pas tendre avec les intrus. Mais enfin. Notre héroïne croise d'étranges créatures. Elles sont peut-être sanguinaires. On dirait une des pièces de ce jeu auquel jouaient mes parents. Mais pourquoi serait-elle ici, sur le terrain de jeu? Il y a un A gravé dessous. A comme Amelia, ma mère. Je suis à 4% à 42. Incroyable. Croft pénètre dans une chambre funéraire, inviolée depuis plus de 1000 ans. C'est génial. J'ai cru que ça venait vraiment d'une espèce de petite grotte. La fouille révélera bientôt tous les secrets du site. Bah j'espère, parce que... Elle découvre d'étranges hiéroglyphes.
Peut-être un indice pour la tombe interdite. La reine blanche est enfermée, mais personne ne l'oublie. Mais je terminerai par là. Donc un truc à creuser, je terminerai par les deux trucs à creuser. Elle est où la quatrième cible? Parce qu'évidemment ça va être ça le truc. Non seulement ça ne m'a pas compté, mais en plus j'ai perdu ma balle. Casse les couilles. Elle était réunie peut-être. Ah. Essayez dans le jeu de... On sait pas y monter. Non, maintenant il est là. De vérité. Notre héroïne devra viser dans le mille pour faire descendre ce panier. Mais vu qu'il y en a une qui est partie. Huh!
Gada. Quand on a fait de la randonnée à El Memchar, je n'ai pas beaucoup de souvenirs, si ce n'est l'odeur des épices au bazar. Mes parents ont l'air tellement heureux. C'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'elle est morte si jeune ? Monsieur, je sais combien ces dernières années ont été douloureuses pour vous. Amelia nous manque à tous terriblement. Pourtant, je crains que Lara ne commence à oublier le peu de souvenirs qu'elle avait de sa mère. C'est tragique. Je suis bien conscient que tout ceci ne me regarde pas, mais avez-vous envisagé de lui parler d'Amelia ? Il me semble que cela pourrait vous aider à surmonter votre immense tristesse et que cela vous rapprocherait de votre fille. Quatre sur cinq. Bien joué à ton moyen. Ah, bébé Lara, c'est ses premiers pas. Pour ça, il y avait déjà eu Tomb Raider Chronicles. Fermer la zone. Hein. Mais je crois que c'est une zone où je pourrais pas revenir si j'ai pas vraiment envie de louper un trophée, bêtement. Ça peut être embêtant. Je vous cache pas. Ben oui. Ah.
Moi, je veux bien, aventurière. À la suite. Leur propre fille ne puisse pas passer. Qu'est-ce que j'ai pas fait? La garde royale va bientôt faire sa patrouille.
Je parie que Winston me cherche partout. De revoir le plan aussi. Constituer cette carte. Elle a passé des nuits entières dans des bibliothèques poussiéreuses à feuilleter d'anciens volumes. Elle a exploré des navires envoyés par le fond et déjà pillés. Elle a remonté chaque piste, même la plus ténue. Si elle parvient à récupérer le trésor, notre courageuse aventurière aura peut-être l'honneur de devenir l'assistante de Lord Richard Croft. Beaucoup bien qu'il y a des... Allez, il y a du lierre partout, t'as quoi cadet partout. Hein. Notre héroïne a mis 2 ans à reconstituer cette carte. Elle a passé des nuits entières dans des bibliothèques poussiéreuses à feuilleter d'anciens volumes. Elle a exploré des navires envoyés par le fond et déjà pillés. Elle a remonté chaque piste, même la plus ténue. Des appuis de fenêtre, il y a tout. La tombe interdite l'appelle.
L'héroïne a mis 2 ans à reconstituer cette carte. Elle a passé des nuits entières dans des bibliothèques poussiéreuses à feuilleter d'anciens volumes. Elle a exploré des navires envoyés par le fond et déjà pillés. Elle a remonté chaque piste, même la plus ténue. Si elle parvient à récupérer le trésor, notre courageuse aventurière aura peut-être l'honneur de devenir l'assistante de Lord Richard Croft. Monter sur la pergola, quoi. La garde royale ne s'attendra pas à ce que Croft escalade le château. Corniche, c'est presque un toboggan. Enfin, la gouttière. Notre héroïne remarque une autre entrée. C'est toujours pas bien, Lara. Allez, dégagez! La jeune Lara risque une chute mortelle en avançant. Mais elle fait le vide dans son esprit. Oh. Complètement folle. Voilà, jeu de mortel.
direction la tombe interdite. Les parapets sont endommagés. Elle va devoir se faufiler. Elle est si proche qu'elle peut presque la toucher. Mais un champ de force invisible l'empêche d'avancer. Elle doit trouver une autre entrée. Dans la tombe interdite pleine de verre. Enfin, elle trouve un moyen d'entrer un peu plus bas. Elle doit rester sur ses gardes. Mais dans quoi je m'embarque encore ? Maintenant, le dernier objet, ça va être à la sortie de la tombe. Enfin, elle voilà. Pénètre dans la tombe interdite. Wow. De nuit, la chauve-souris a volé la reine par 30 nord et 90 est. De sa plume, elle décrit son cœur. Et de la lumière jaillit son amour libéré. La reine blanche se sent peut-être seule. Une citation de Chaucer. Quoi de mieux que la sagesse ? La femme. Quoi de mieux qu'une femme pleine de bonté ? Rien. La tête du roi David. Le berger devenu roi. Quel destin! La coupe de Saint-Jean. L'apôtre avait reçu un calice de vin empoisonné. Mais il a béni la coupe et le poison s'est transformé en serpent. Il a donc pu boire le vin sans problème. C'est un très vieux jeu. Deux boucliers et une couronne blanche. La reine blanche, peut-être? Un rouleau byzantin. La justice est la volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est de l'empereur Justinien. Un artefact égyptien. Une boîte du mauvais œil. Son contenu était censé aider et nourrir les gens dans l'au-delà. Louis XIV, le roi Soleil, épousa Marie-Thérèse, mettant un terme à une longue période de guerre entre la France et l'Espagne. Pauvre reine, Marie-Thérèse est morte d'une longue agonie, suite à laquelle le roi déclara « C'est bien la première fois qu'elle me cause du souci. » La pauvre bête devait à peine y voir derrière ce chanfrein. Le roi et la reine blanche. Il y a un truc avec les boucliers. Une barde de la moitié du 14e siècle. Germanique, je dirais. Une barde pareille,
Ça devait être lourd pour ces pauvres chevaux. Une citation de Chaucer. Quoi de mieux que la sagesse ? La femme. Quoi de mieux qu'une femme pleine de bonté ? Rien. Mais où sont les pions blancs ? Même pas un petit trophée pour avoir tout lu. C'est combien ? 30 nord, 90 est. Je suis du mauvais côté. Histoire d'être sûr. Cette illustration énigmatique retrouvée dans un mausolée maudit et des. Non, faut arrêter de déconner, j'ai encore un quart de tour à faire. Pas Jurassic Park. Attends-moi, il est là. Il a perdu sa maman, lui aussi. Je souhaitais vous remercier de votre discrétion, ainsi que de votre travail. La chambre forte correspond exactement au cahier des charges. Le dernier versement vous parviendra à la fin de la semaine. Un guérisseur sud-américain. D'où qu'on les regarde, ces masques ont l'air de vous observer. Des crânes d'animaux, un présage de mort et symbole de grands changements. On dirait que c'est Maya. Kukulkan, peut-être ? Je me demande qui sont ces deux chiens. Ça vient de Colombie. Un masque de chef Zeno. Je me demande si ses yeux ont... Je n'avais jamais vu certains de ces artefacts avant. Un ossuaire. Il contient les os d'une personne décédée. L'inscription est illisible. C'est le genre d'armure que portaient les conquistadors pendant les grandes découvertes. Je me demande ce qu'ils ont trouvé. Une statue d'un hariki. Ça vient des îles Cook ? XXVe dynastie. L'intérieur du sarcophage est incroyablement élaboré. On dirait que c'est grec. Non, perse. Je me demande ce qu'elle peut garder. Une lionne perse. Mais quelqu'un lui a pris sa tête. Je me demande ce qu'elle regardait. Un masque tribal africain. Tout en or. Ashanti, peut-être. Le masque mortuaire d'Agamemnon. Trouvé à Mycène. Ah, où ? Le masque mortuaire d'Agamemnon. Trouvé à Mycène. Allez, c'est parti, on fout le bordel. Les ailes de la chauve-souris se déploient. Oui. C'est-à-dire, ça s'y explique.
Avec deux boucliers, évidemment. Le bouclier du chevalier réfléchit le rayon de lumière. Il ne va rien y avoir de très dur, ça va juste être très long. Qu'un seul qui regarde dans le bon sens. Non, il regarde tout dans le mauvais. Auquel jouaient mes parents. Cette illustration énigmatique, retrouvée dans un mausolée maudit et désert, pourrait être ce dont notre vaillante aventurière a besoin pour enfin retrouver le trésor perdu de la Reine Blanche. Thank you.
sortir là. Hein. Juste alors que je remonte les échelles. C'est comment est-ce que j'ouvre la truc de la reine du coup. Faut que je puisse aller chercher la reine. Alors, tu m'expliques ? Toi et moi, on chevauche en T-Rex en Égypte. Et papa, il est où ? Au travail. Dernier objet à trouver. Revenir au Pérou. Bonjour.
Donc une montagne couronnée d'argent. Ouais. Je me demande bien ce que la jungle nous redonne. Déjà. C'est le prochain. Allons-y, Jonah. Je crois que je vais faire vite fait une petite pause. Ça va être bien. Et puis on ira se faire le tombeau, je crois. Oui. À tout à l'heure.